Bibliomania, c'est un salon qui ressemble à un cabinet de curiosité du livre, du papier ancien, de l'iconographie, dans sa plus grande diversité. Tout ce qu'on trouve sur ce salon représente une véritable mémoire vivante de notre histoire. C'est le temple de la trace écrite, dessinée, gravée ou peinte. On pourra découvrir sur ce salon des affiches publicitaires, des affiches politiques et aussi des affiches beaucoup plus récentes des années 60 et 80. Ici à Bibliomania, on expose, on échange, on vend du livre ancien et d'occasion, du livre rare, de la première édition à nos jours, mais également de la carte postale. Nous avons un stand spécialisé en cartes à jouer anciennes. On y trouve de la gravure, de l'estampe, de la lithographie, du dessin, de la peinture. Nous avons un stand plus musical, le stand de partitions anciennes. On trouve de la bande dessinée, de la photo, du cinéma, du curiosa, de l'érotisme. Et aussi un stand spécialisé dans les magazines et la presse ancienne. Sans oublier les objets de collection, les objets publicitaires et même du vinyle. Le salon accueille plus de 100 exposants, dont certains viennent de l'étranger, notamment de Belgique, avec la librairie L'Âge d'Or et la librairie Jean-Pierre Desknop. Dans le livre, nous avons 3 spécialistes en Jules Verne, avec de nombreuses éditions de voyages extraordinaires, agrémentées de magnifiques illustrations qui font de l'univers vernien un monde visuel à part entière. 2 fois par an, en février et en octobre, plus de 5000 visiteurs sont attendus. Ils viennent chiner, échanger, collectionner. Certains même pourront trouver le journal anniversaire de leur naissance. Ou tout simplement, ils viennent découvrir le salon dans une ambiance gentiment festive et décontractée.